Tu t'y colles, mon pote. Dis-leur, explique-leur à tous ces gens. T'as un film, là? Explique-leur, explique-leur, c'est ton petit travail. D'accord. Audrey, bonjour. Bonjour. Vous vous en souvenez ou pas? Ils se souviennent pas. Je sais pas. Bon bah, on a fait une vidéo ensemble en 2012. Il exagère. Il exagère beaucoup. Qui s'appelait, comment elle s'appelait? D'amour, une histoire. Love story. J'ai bien appris ma leçon. Voilà, donc c'était une vidéo de grande qualité. Voilà, et on racontait une histoire d'amour entre Audrey et moi. Entre deux personnages fictifs. Donc je vous invite à la voir, la vidéo. Non, pas de l'autre côté. Ah, ici, donc plutôt visage. Ici. Je vous mets la vidéo là, puisque là... Vous pourrez présenter la météo. Ici, voilà. Vous avez du donc soleil. Donc là, il y a la vidéo d'amour une histoire, puisque cette vidéo que vous allez voir, c'est la suite logique des événements qui se sont produits. Les gens se posent peut-être la question de quelle est ton odeur. Il n'en a pas. Voilà. Pour un petit délire olfactif. Non, non, je... Ah, toi, t'as une petite odeur... Dégage. Si, t'as une petite odeur. Allez, la vidéo. Ça va? Bon, je sais pas trop quoi te dire jusque... Enfin, si t'as envie qu'on se parle, bah je suis là. C'est long quand même 6 mois sans se parler. Bref, tu sais où me trouver. J'ai envie de te voir. Au moins de t'entendre, c'est tout. Enfin, et rigoler surtout. Se marrer. C'est marrant de se marrer. On va boire un verre? Arrête, tu sais que ça me blesse. Je suis pas prête pour tout ça, je suis en train de refaire ma vie. Faut que tu le comprennes, ça. Voilà, ça va aller. Mais laisse-moi, s'il te plaît. Je t'embrasse. Hello! Quoi de neuf? J'ai vu que ça bougeait pas mal pour toi en ce moment. Et j'ai un contact qui pourrait t'intéresser pour ton job. Tu me dis. Bise. Ok. Sympa l'accueil. Je m'attendais à plus chaleureux après 2 ans, mais bon. Eh ben écoute, je t'envoie le contact par email. Voilà. Tu dis que tu viens de ma part. Bien à toi. Enfin, c'est juste que... Enfin voilà, je t'avoue, j'ai quelqu'un maintenant et j'essaye de mettre notre histoire loin derrière moi, même si bah, c'est pas toujours simple. Ça te dit rien, chai latte? Et cette fois, tu le renverses pas sur mon écharpe? Putain, je... Vas-y, j'ai trop envie de dire oui, mais de le crier, ce oui. Bon, oh, après tout, on s'en fout. Allez, viens, on va boire un verre. Par contre, j'aime plus ça, moi, le chai. Moi non plus. Bah, c'est trop sucré. Puis il y a trop de lait. Pauvre vache. Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir. Vraiment. Et au fait, mon contact pro? Il n'y en avait pas. T'y vas à la soirée d'Alex? Ouais, toi aussi? Attends, tu te déguises en quoi? En Batgirl! Ah, excellent, moi en Batman. Et ta copine? Finalement, elle vient pas. Ah. C'est dommage. Pourquoi t'es partie comme ça? Toi, tu m'embrasses, tu me refais faire un saut dans le passé et puis tu te casses? Mais t'as pas le droit. On donne pas de l'espoir comme ça pour tout détruire 2 secondes après. Pourquoi t'as fait ça? Enfin, je... Je sais pas, j'étais bourré, tout qui se mélange et... T'étais là... Enfin, je veux plus te perdre. Je veux plus jamais te perdre. Voilà, je veux qu'on reste potes, qu'on soit amis, mais... Qu'on se perde pas. Qu'on se perde plus. Oui, ok, oui. De toute façon, ça, c'est promis, c'est acté. Mais m'embrasse plus. M'embrasse plus jamais. Je suis en bas de ton immeuble, tu peux m'ouvrir? Non mais t'es malade? T'as vu l'heure qu'il est? Tu rentres chez toi, en plus, je suis sûr que t'as bu. Enfin ouais, j'ai bu, et alors? Enfin, c'est quoi le problème? Et puis quand je bois, je t'aime. Je t'aime, voilà, je suis fou de toi, bordel, j'ai que toi, bordel. C'est pas l'alcool qui me fait parler, voilà, c'est mon cœur qui gueule et... Enfin, qui crève sans toi. Vas-y, ouvre-moi, c'est quoi le code? Je t'entends en haut. Arrête de frapper sur la porte, c'est bien beau d'écrire des jolis textos, mais tu reviendras quand tu seras clean. 2305A. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je sais que c'est une question de collégien, que c'est super puéril, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait rien du tout. On vit et puis c'est tout, voilà, on laisse faire les choses. Pourquoi t'es pressé, là, comme ça? Oui, on a passé un très bon moment, je te l'accorde. C'était neuf, c'était frais. Comme si on se redécouvrait, mais j'ai aucune envie de retourner dans le passé, tu comprends? Aucune envie de raviver les cendres qu'on a déjà éteintes, alors me demande pas ce qu'on fait. On fait rien, et puis c'est tout. Enfin, on vit. Et puis c'est tout. Et du coup, si... Je sais pas si je te proposais un voyage. Tu sais, on n'est jamais allé à Rome ensemble, je me souviens, tu voulais y aller. Puis c'est pas dans le passé que je veux t'emmener, mais... Vers le futur. Enfin, le... Le nôtre. Bon, maintenant t'arrêtes. Non, on n'ira pas à Rome ensemble. Ok, on a fait l'amour, mais faut l'oublier. Si tu veux qu'on se parle, qu'on se côtoie, qu'on rigole, on reste amis, point. Ok. Bah vas-y, pour la peine, je vais me refaire un chai latte. Tu sais quoi, je voulais plus en boire parce que ça me rappelait notre histoire et je voulais que tu sois la dernière personne avec qui j'en avais bu. Comme un petit trésor pour moi, à moi, mais...
Franchement, t'as raison. Je vais en reboire et puis je vais t'oublier. C'est peut-être ça la solution au fond. T'oublier pour plus jamais être triste. Même si être triste, bah moi ça me fait pas peur si c'est pour toi. Mais t'as raison, c'est mieux comme ça. Allez, bonne continuation. Ciao et je vais à Rome tout seul, tiens du coup. Alone. On oublie vite les moments qu'on passe avec quelqu'un. On oublie vite le bonheur qu'on partage avec quelqu'un, qu'on lui a offert, qu'on a accueilli. On oublie beaucoup trop vite. Je repensais à nous il y a pas longtemps et je rigolais toute seule. Ça me faisait du bien. Bref, voilà. Je pensais à toi. Au fait, t'es partie l'an dernier à Rome ? Parce que j'ai plus de news depuis. J'ai vu sur Facebook que tu partais vivre au Japon. Bon. C'est quand ? Ça serait bien qu'on se voit avant que tu partes, non ? Bon, bah j'espère que t'es arrivée en vie. T'as pas répondu à mes appels. Tout va bien ? Je suis à Tokyo. Ici, c'est ouf. Ouais, j'espère que tu vas bien. Ah bah enfin des nouvelles ! Alors raconte, c'est comment ? Bah, il y a des mangas partout. Enfin, franchement, c'est la folie. Bon, on se reparle vite parce que je dois filer. Bisous. Je rentre en France la semaine prochaine. T'es dans le coin ? Oui, oui, et re-oui. Lundi prochain, 18h, café habituel. Je suis désolée, mais je peux pas. J'ai peur de te revoir. J'en meurs d'envie, hein, mais j'ai peur. Voilà, je suis pas prête. En fait, j'ai jamais été prête. Au fond, on n'est jamais prêt à aimer quelqu'un. Jamais, alors... Restons seuls. Même à l'autre bout du monde, je pense encore à toi. Mais je veux plus. Je te demande pardon. Tu fais quoi, là ? Quoi, je fais quoi ? C'est toi, t'es au Japon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais c'est bon, je suis rentré. Non, je partirai plus, maintenant ma vie, elle est ici. Bon, sérieux, tu crois pas que ça fait... Enfin, qu'on perde notre temps, là ? Il y a 4 ans, quand tout s'est arrêté, je suis désolé, notre histoire, elle était pas finie. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire, sérieux ? Tu veux tout recommencer ? Non, enfin, je veux rien recommencer, je veux juste que ça continue. Enfin, une histoire, elle continue toujours, non ? Ensemble ou pas ensemble, différemment, mais elle continue toujours. Différemment ? Ouais. Ensemble. Ouais ? Et toujours. On va se le boire, ce verre. Chai latte ? Chai latte. Konnichiwa. C'est ce que je sais dire en japonais. Oui, j'ai pas eu le temps d'apprendre en fait trop. Domo arigato gozaimashita, c'est-à-dire merci. Mais ça je sais. Ah, mais j'étais beaucoup avec des Français, donc je parlais. C'est vrai que c'est bête d'aller au Japon avec des Français.